Tiru surat al-Masad. Exégèse de la sourate Les Fibres, qui est mécoise. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sa fortune ne lui a servi à rien, ni ce qu'il a acquis. سيصلى نارا ذات لهب. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. وامرأته حمالة الحطب. De même que sa femme, la porteuse de bois. في جيدها حبل من مسد. À son cou, une corde de fibre. Abu Lahab est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un opposant irréductible au messager de l'envoyé d'Allah azza wa jal, à qui il vouait une haine implacable et à qui il ne cessait de faire du tort. Il n'était animé par aucun sens religieux ou familial. C'est alors qu'Allah le stigmatisa et le blâma de cette façon qui resta pour lui comme un désaveu jusqu'au jour de la résurrection, en disant « Tabbat yada Abi Lahabin wa tab » que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Ses mains sont donc en perdition et il est malheureux et qu'il périsse lui-même, il ne sera pas gagnant. « Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab » Sa fortune ne lui sert à rien. Ni ce qu'il a acquis. Tout ce qu'il a possédé et ce qui l'a rendu arrogant ne le mettra nullement à l'abri du châtiment d'Allah lorsqu'il s'abattra sur lui. Sayasla naran dhat lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Le feu l'entourera de tous les côtés. Wamra'atuhu hammalat al-hatab. De même que sa femme, la porteuse de bois. Son épouse manifestait aussi une grande animosité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Elle provoquait le messager d'Allah Azza wa Jal et retournait les gens contre lui. Elle amassait sur son dos comme péché et manigance ce qui avait l'équivalent d'un fagot de bois. Il lui sera préparé Hablum min Masad, une corde de fibre. Ou peut-être qu'elle portera dans la géhenne du bois pour son époux, portant autour du cou une corde rugueuse. Quoi qu'il en soit, il y a dans cette sourate un signe éclatant parmi les signes d'Allah. En vérité, Allah a révélé cette sourate alors qu'Abu Lahab et son épouse étaient encore vivants. Il les informa qu'ils seront châtiés dans le feu. Ceci implique qu'ils ne devaient se convertir à l'islam. C'est ainsi que cela se passa, comme l'avait informé celui qui connaît l'invisible et le visible.